Bien, mesdames, messieurs, chers Gournaisiens, merci d'être encore présents à ce conseil municipal. Mesdames, messieurs les conseillers, et mesdames, messieurs les adjoints, bonsoir. On va démarrer comme d'habitude par l'appel des présents. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présente. Ingrid Pinchon. Présente. Éric Flessel. Présent. François Dair. Présent. Delphine Schlegel. Présent. Claude Mazard. Présent. François Culeux. Corinne Islin, présent. Jean-Charles Hollander, présent. Manuela Ramirez, présent. Corinne Tanguy a donné pouvoir à Madame Agnès Poncelin, Maria Miranda, présent. Véronique De Aquino, présent. Ida Pelloso, présent. Éric Fournier, présent. Isabelle Baupin-Vecchio, Pascal Galibert, présent. Vincent Verniajou, absent, Claire Hénin, Francis Defranou a donné pouvoir à Monsieur François Dair. Monsieur Bernard Livian. Présent. Madame Suzanne Charrier. Présent. Monsieur Franck Attal a donné pouvoir à Madame Suzanne Charrier. Madame Martine Antonin Ringot. Présent. Monsieur Pierre Agement. Présent. Monsieur Jean-Pierre Lahaye. Présent. Monsieur Jean Recherchant. Présent. Et Madame Pascal Dumetz. Présent. Secrétaire de séance, Madame Suzanne Charrier. Lors de la séance du Conseil municipal du 29 septembre 2016, ont été délibérés les points suivants. Associations et ressources humaines. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer les conventions de mise à disposition des équipements autres que sportifs. Annulation d'une suppression et d'une création de postes. Finances. Demande d'admission en non-valeur, taxe d'urbanisme. Décision modificative numéro 2. Exercice 2016 du budget de la commune. Social. Nouvelle structure communale Maison pour tous, adoption du règlement de la Maison pour tous. Tarif applicable à la Maison pour tous. Culture. Tarif applicable aux concerts événements de Riyad. Sport. Adoption du règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier. Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer les conventions de mise à disposition des équipements sportifs. Cadre de vie. Vœux concernant la progression du PLU de Gournay-sur-Marne. Rapport annuel d'activité du CIETREM et compte administratif pour l'exercice 2015. Rapport annuel du délégataire sur le service public d'assainissement Veolia. Défense. Désignation d'un correspondant défense. Merci Madame Charrier. Par rapport à ce qui vient d'être évoqué, y a-t-il des commentaires particuliers ? Rien à ajouter, donc on peut partir du principe que tout est adopté. On va pouvoir ouvrir le conseil municipal sur l'ordre du jour de ce soir et nous allons démarrer avec comme première délibération une décision modificative sur l'exercice 2016 du budget de la commune et c'est Monsieur Mazard qui va la présenter. Oui, c'est donc la décision modificative numéro 3, dans laquelle il faut procéder à des ajustements de dépenses de fonctionnement qui sont liés notamment aux charges de personnel. Nous avions tenté d'économiser 50 000 euros sur le budget primitif des charges de personnel qui se portait à 6 450 000 euros. Malheureusement, des hausses de points d'indice et de nouvelles dépenses imprévues comme des congés de maternité et des accidents du travail nous obligent à augmenter cette tarification, qui sera porté à 6 537 000 euros et qui comprennent notamment 37 000 euros d'intervenants TAPS qui ont été comptabilisés en budget, bien sûr, mais que nous devons modifier en chapitre 12 plutôt qu'en chapitre 11. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. Y a-t-il des questions sur cette DBM ? Je vous en prie, Monsieur Agement. Donc on est bien d'accord, on dépense 50 000 de plus. Exactement. Exactement. Tout à fait ça. D'accord, c'est fait beaucoup. C'est indépendant de notre volonté, et franchement indépendant de ma volonté, puisqu'il y a quand même des congés de maternité, j'y suis franchement pour rien, et y compris des accidents du travail, j'y suis encore moins pour rien. Et l'augmentation du point de l'indice, malheureusement, c'est l'État qui y oblige. L'augmentation du point d'indice, c'est quelque chose qu'on peut imaginer.
Oui, mais qui visiblement a été... Non, oui et non, il était gelé depuis un bon nombre d'années, donc il n'est pas toujours envisageable de prévoir l'augmentation du point d'indice. Elle peut être de l'ordre du jour d'un projet d'État, mais ça dépend énormément des négociations qu'il peut y avoir avec les syndicats. Donc il y a certaines prévisions qui peuvent en tous les cas être mal dosées, mal calées. On s'est planté, hein, puisque nous avions prévu un chiffre inférieur à celui-ci. Sur la masse totale, en pourcentage, ça représente une élévation. Elle n'est pas si importante que cela. Néanmoins, elle est notable. En tous les cas, elle a une explication. Nous vous la livrons en l'état. Elle est acceptable ou pas, mais en tous les cas, c'est celle que nous vous donnons aujourd'hui. Alors, si je peux rajouter quelque chose... En fait, il n'y a pas d'augmentation globale du budget total de la commune. En fait, les 50 000 euros d'augmentation sont pris sur un budget qui ne seront pas dépensés, qui ne sera pas dépensé. Il y a d'autres remarques sur ces questions, Monsieur Lahaye, je vous en prie. Oui, merci. Ben, si les sommes sont identiques quand effectivement il s'agit du passage du chapitre 11 au chapitre 12. Et M. Mazard vient de répondre en partie, la ventilation est tout à fait différente entre les postes. On ne retrouve pas du tout les mêmes comptes. Et il y a des mouvements qui, en fait, restent sans explication. Pourriez-vous nous éclairer un petit peu? Par exemple? Vous voyez, vous avez le tableau comme moi sous les yeux. Concernant les rémunérations d'intermédiaires, école primaire, moins 35 000, moins 2 000 rémunérations d'intermédiaires, autres frais divers, il y avait donc 50 000, ça c'est ce qui est pris sur le budget, c'est ce que vient d'expliquer M. Mazard. Et ensuite on a rémunération personnelle non titulaire qui passe à 40 000, et puis surtout autres personnes extérieures, 30 000. Donc le mouvement c'est bien moins 87 000 plus 87 000, mais la ventilation est... Et quand même Madame Pinchon va vous donner un petit éclairage, d'ailleurs. En fait, c'est qu'au chapitre 12, il a fallu répartir sur les intervenants, donc c'était pour les intervenants TAPS, ceux qui sont vacataires de la ville et ceux qui sont auto-entrepreneurs et donc qui sont rémunérés sur présentation de facture. Et donc, ce n'est pas le même chapitre. Est-ce qu'il y a besoin d'éclairage supplémentaire ? Pas d'éclairage supplémentaire. Bien, on va soumettre au vote cette première délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité des membres présents. Merci. Délibération numéro 2, ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2017. C'est toujours Monsieur Mazard qui s'y colle. Comme tous les ans, dans l'attente de l'adoption du budget 2017, qui sera sans doute voté courant mars, les services de la mairie continuent de fonctionner, bien sûr. Donc la collectivité doit mettre en place des recouvrements et des recettes et mandater des dépenses pour la section de fonctionnement à la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Donc ça, c'est pas une obligation de vote, c'est juste une indication pour vous expliquer que le fonctionnement ne peut pas être dépensé au-delà des budgets précédents avant le vote du budget primitif de mars 2017, s'il se tient en mars 2017. Par contre, les dépenses d'investissement doivent être qualifiées et payées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, donc pour que la collectivité puisse investir dans les minimums requis par la loi, c'est-à-dire par le quart. Et vous avez les chiffres des budgets 2016 et les ouvertures anticipées de 2017. Donc afin d'assurer les besoins en investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2017 de la commune, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement du quart des crédits budgétés en 2016. Y a-t-il nécessité d'expliquer plus avant cette délibération ? Pas de questions par Madame, je vous en prie. Moi, je souhaiterais savoir au niveau des libellés... Les postes autres correspondent à quoi ? Au niveau du tableau ? Oh, ça, je connais pas les comptes par nature de mémoire, mais il s'agit souvent, par exemple,
Quand on voit tout à l'heure qu'on doit récupérer 50 000 euros pour une augmentation de charges de personnel alors qu'il n'y a pas augmentation du budget véritablement, voilà, c'est sur ce compte, ce type de compte qu'on peut utiliser éventuellement des déplacements qui n'étaient pas prévus à l'origine du budget primitif. Mais je pourrais vous en donner le détail avec plaisir la prochaine fois, bien sûr. Oui, je vous remercie. Ceci étant, vous pouvez retrouver aisément les numéros des comptes puisque vous avez forcément dans vos petits dossiers les budgets antérieurs et vous retrouverez les mêmes intitulés de comptes et les mêmes numéros de compte à chaque fois. D'accord. Je souhaitais également savoir, habituellement on le vote en novembre, pourquoi... en janvier, excusez-moi, pourquoi novembre ? Bah, tout simplement parce que si on le vote en janvier, c'est adoptable éventuellement mi-janvier et la collectivité doit vivre à partir du 1er janvier. Donc le plus tôt est le mieux. Le budget se vote rarement en janvier. Il y a un débat d'orientation budgétaire qui est préalable, qui est une obligation, qui doit être approuvée d'ailleurs. Il y a un délai préconisé pour que les choses se passent dans le bon timing. Il y a encore quelques collectivités qui réussissent à faire voter un budget au mois de décembre. Sur le Grand Paris Grand Est, il y a une commune, la commune de Villemomble, qui fait voter son budget au mois de décembre. La quasi-totalité des autres communes font voter leur budget, en règle générale, autour du mois de mars et du mois d'avril. Ce qui était d'ailleurs, par le passé, la règle sur la collectivité, puisqu'il y a toujours un temps préconisé. Et il devient exécutoire, en règle générale, une quinzaine de jours après son vote, si l'administration centrale ne nous recale pas sur des choses qui ne seraient pas jugées correctes. En tous les cas, comme l'a précisé M. Mazard, pour que ça fonctionne, il faut que la règle soit respectée. Pour que la règle soit respectée, il faut que nous ayons une délibération qui nous permette d'engager les dépenses nécessaires avant que le vote du budget soit une réalité. Et il est bien évident qu'on ne peut pas attendre. Mais bon, c'est la loi d'ailleurs de la pensée comme telle, puisqu'elle permet ce type de fonctionnement. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions ? Monsieur Livien. Oui, alors je comprends parfaitement que Monsieur Mazard ne puisse pas avoir en tête le détail de toutes ces dépenses. Néanmoins, il y en a trois ou quatre qui sont particulièrement importantes et sur lesquelles, je pense, il pourrait nous apporter quelques éclaircissements. Il s'agit du 204-182 bâtiments et installations, on rajoute 75 000 euros. C'est le cas. On les rajoute à ce qui a été déjà dépensé l'année dernière. Monsieur Livien, vous ne vous souvenez plus. En fait, on avait au budget 2016 prévu un investissement 300 000 euros sur ce poste, comme dans d'autres postes. D'accord ? Pour que la collectivité puisse vivre à partir du 1er janvier 2017 en investissement, on débloque jusqu'au quart des budgets 2016. Donc pas voter le budget ce soir, c'est vraiment pas l'enjeu ni la question, simplement pour que la collectivité, mais comme on le fait chaque année, pour que la collectivité puisse fonctionner, il faut simplement qu'elle puisse avoir la possibilité de le faire. On part simplement du principe, sans qu'il y ait de vote particulier de budget ce soir, on se dit simplement que pour que ça puisse fonctionner, le quart des sommes qui ont été engagées l'année en cours seront à la disposition de la collectivité et pourront être engagées. Ça n'augure absolument pas de hausse ou de baisse dans les différents chapitres. Ça nous dit simplement que la collectivité va pouvoir avoir la liberté d'action au regard des imputations qui sont signifiées ici, et au regard des sommes qui sont avancées, c'est tout. Ça n'augure absolument pas d'hausse ou de baisse dans les différents chapitres. Vraiment, ce n'est pas l'enjeu. Le budget, ce sera au mois de mars, et avant le mois de mars, il y aura déjà le débat d'orientation. Là, c'est comme chaque année, simplement, la possibilité offerte à la collectivité de fonctionner dès le 1er janvier, c'est tout. Oui, donc c'est purement théorique. Parce totalement. Que sinon, au 2313, il y a 544 248 euros. C'est quand même une somme assez importante et ça aurait demandé une précision. Non, mais Bernard, c'est vraiment totalement théorique. Tu le précises bien et tu as raison de le faire. C'est simplement le moyen pour la collectivité de démarrer et de fonctionner dès le 1er janvier, partant du principe qu'un budget... il a vocation à être sincère et qu'il est, en règle générale, pas reconduit à l'identique, puisqu'il y a des variations,
Mais pour que ça démarre et pour que ça fonctionne, il faut simplement qu'on ait la possibilité d'engager des dépenses, forcément. Et on part du principe que le quart de ces dépenses va être possible, c'est tout. Ça n'augure absolument pas du fait que nous vous proposions au budget des élévations dans certains chapitres ou des baisses dans d'autres. Vraiment pas. Ça ne veut pas dire non plus que ce sera dépensé, systématiquement. Et heureusement. En tous les cas, c'est la possibilité offerte à la collectivité de fonctionner. Voilà. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça ? Monsieur Lahaye, je vous en prie. Oui, j'ai bien entendu effectivement que c'est un terme à titre de souplesse que vous donnez, vous utilisez cette faculté d'augmenter donc de 25%, puisque de toute façon elle est systématisée sur l'ensemble des postes. Pardonnez-moi, je reviens, il n'y a pas d'augmentation. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons que l'année dernière, sur la ligne 213, on ait dépensé 100 000 euros. Sur la ligne 213, elle reste entière. J'ai bien compris. On va diviser par 4. D'accord. Moi, c'est sur le montant global. Je m'étais inquiété, rappelez-vous, lors du vote du budget, du montant tout à fait important des dépenses d'investissement qui allaient être réalisées sur cet exercice. Donc là, vous donnez en plus la faculté de l'augmenter d'environ 1 200 000. C'est tout à fait théorique. Mais il y a des postes très importants, notamment construction 2 millions. Donc on se réjouit effectivement qu'il y ait eu des dépenses de voirie. L'avenue Gallieni, on l'a visité ensemble, c'est très bien fait. La Maison pour tous également. Mais en ce qui concerne le poste construction 2 millions... On a un petit peu de mal à se rappeler ce dont il s'agit, si vous pouvez nous donner... Juste pour préciser, il s'agit de 2017. Hein. C'est les ouvertures de crédit pour l'année à venir. Ce n'est pas les ouvertures de crédit pour l'année en cours. Et la règle qui prévaut, c'est de dire, on a mis en place sur un budget en 2016 un certain nombre de montants sur certaines lignes, et sans préjuger, d'augmentation, de variation, de travaux nouveaux, de travaux moins importants, etc. Et comme vient me le dire M. Mazard, ça n'implique pas qu'il y aura dépenses. Ça dit simplement que sur la base de l'année 2016, les ouvertures anticipées de compte pour l'année 2017 sont au quart de ce qui a été présenté en 2016, au budget 2016. Point final, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va augmenter, que ça va baisser, que les choses seront dépensées ou pas dépensées. Ça veut simplement dire que cette masse d'argent est disponible dans les différents chapitres qui vous sont présentés. C'est tout ce que ça signifie. Il se passe pas grand-chose, effectivement. Entre le mois d'octobre où les comptabilités des collectivités commencent à fermer les dépenses, et le moment où on peut engager la dépense, à partir du moment où on a, de la part des services de l'État, la possibilité de le faire. C'est tous les ans la même chose. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien de particulier là-dessous, il n'y a pas d'enjeu. C'est simplement pour que la collectivité fonctionne. Il y aura peut-être des hausses, peut-être des baisses. Hein. Je ne dis c'est pas ce que j'évoque du tout. C'est simplement, à la base... de l'année 2016, la possibilité, on divise par 4, on met cette somme-là disponible au début pour que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Madame Charrier. Ce que nous voudrions savoir, si c'est les 2 176 000 sont fondés sur quelque chose, sur un appel d'offres, sur un projet... Je ne veux rien du tout, madame. C'est simplement, comme je viens de le préciser... Oui, le quart. C'est le quart. D'accord, il n'y a pas de projet derrière. Vous aurez la présentation des projets à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Très bien. Qui sera fait dans le courant du mois de janvier, certainement. Et vous aurez la possibilité d'exprimer votre désaccord ou votre accord sur les propositions de dépenses qui vous seront proposées à ce moment-là. D'accord. Ça n'implique absolument rien en termes de travaux aujourd'hui. C'est simplement pas plus sur cette ligne-là que sur la ligne 2031 frais d'études. Ça ne signifie pas que nous aurons l'année prochaine des études à hauteur de ce qui a été proposé cette année, budgété, sans savoir d'ailleurs si l'ensemble de la ligne budgétée a été utilisé. Ça n'augure rien de tel. Donc si je vous suis bien, frais d'études, vous dites c'est un quart, donc pour 2017 que vous prévoyez, nous avons eu pour 1 million d'euros de frais d'études en 2016. Première ligne, 2031, frais d'études, 255 000. C'était ce qui avait été budgété pour l'année.
D'accord ? Le compte financier qui vous sera présenté, le compte administratif, pardon, vous sera présenté, comme d'habitude, au moment du vote du budget, et vous aurez à cette occasion la possibilité de vérifier si les sommes prévues ont été totalement utilisées ou pas, mais comme tous les ans, sauf que là, c'est pas le sujet. Le sujet de ce soir, sur ce vote-là, c'est de simplement, je le redis, de permettre aux services de fonctionner sur des bases identifiées, comme le compte Nature 2031 frais d'études, sans préjuger d'études particulières, mais si jamais nous devions être amenés à prévoir des études et à les engager assez tôt, il faut simplement que la ligne soit, comment dire, prête à engager la dépense, c'est tout. Cela, on l'a très bien compris, mais vous venez de dire que les chiffres que nous vous présentez sont quelque part fictifs. Divisé par 4, madame, sur la base de 2016. Voilà, et en fait, c'était le quart de ce qui a été... Non, mais il y a une confusion entre les deux colonnes, Suzy. Simplement, budget Est-ce 2016... Est-ce que c'est sur toutes les colonnes ou pas ? Budget 2016, 255 000 euros de frais d'études, d'accord ? Oui. Donc, c'est ce qui avait été budgété, ça. C'est ce qui avait été voté. Donc, si on divise par 4, 255 000 euros, etc. D'accord, très bien. Ce qui est prévu, c'est les 63 000 de la deuxième colonne. D'accord. Parce que c'est un quart des 255 000. D'accord, ok. Et si on décline les frais sur la ligne 2033, frais d'insertion, nous avions mis 7 500 euros au budget, sans préjuger de savoir si nous aurons des dépenses identiques. On prévoit immédiatement le quart disponible, sans préjuger du tout de ce qu'on fera. Et on peut, et vous pouvez décliner au fur et à mesure. Construction, bâtiment scolaire, 105 000. Eh bien, arbitrairement, on divise cette somme par 4 et on prévoit simplement la possibilité pour la collectivité d'engager, en attendant le vote du budget, des dépenses jusqu'à hauteur du quart, c'est-à-dire 26 000. Et puis après, on peut décliner, hein, puisque vous avez tout le monde, le public n'a pas tout sous les yeux, mais on peut se retrouver sur Schlackling de la même manière. On met simplement à la disposition, au 1er janvier, le quart de ce qui avait été budgété en 2016 pour 2017, sans préjuger de ce que nous allons simplement prévoir au budget. C'est théorique et arbitraire. C'est un quart. Ça pourrait être un cinquième, un demi, etc. Imaginons par exemple que le budget primitif 2007 soit voté en avril. Non. Imaginons le 15 avril, par exemple, la date limite, et qu'il soit effectif le 1er mai, 15 jours après, grosso modo. C'est-à-dire entre le 1er janvier et le 1er mai, il ne se passe rien à la mairie. Si on ne fait pas ça, on a droit de rien dépenser puisque rien n'a été voté avant le budget. Donc on est de cette façon. Voilà, on est obligé systématiquement, et c'est tous les ans la même chose, hein, tous les ans, de voter à un moment la possibilité d'engager le quart des investissements des années précédentes, de l'année précédente, sans préjuger que ce soit dépensé, mais au moins c'est limité. Sans préjuger que ce soit dépensé ou que ça soit mis à la même hauteur. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça sera la question du vote du budget. Et vous aurez à ce moment-là le compte administratif et vous pourrez vérifier les uns et les autres si l'ensemble des sommes prévues au budget 2016 ont été dépensées dans leur totalité. Y a-t-il besoin d'autres éclaircissements ? Pas d'éclaircissements supplémentaires, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, attribution d'une subvention 2016 au bénéfice de l'association Société des Amis d'Eugène Carrière de Gournay-sur-Marne. Et c'est M. Éric Flessel qui va nous la présenter. Bien, alors dans le cadre des activités du musée Eugène Carrière, une convention tripartite a été signée entre le département, la commune et l'association, donc la Société des Amis d'Eugène Carrière. Cette convention a été signée pour l'organisation de l'exposition qui s'est tenue au printemps dernier, qui s'appelait Lignée. Nous avons touché donc la subvention du département donc de 7 500 euros, et il convient donc de reverser sous forme de subvention au titre de l'exercice 2016 la somme de 3 000 euros au musée Eugène Carrière. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Monsieur Hagemont, je vous en prie. Oui, je comprends qu'il y ait besoin de ces 3 000 euros. Ce qui m'étonne, c'est que nous ayons touché 7 500 et qu'on verse 3 000. En fait, il y a deux choses dans cette subvention. Il y a une partie qui concerne l'exposition même, lignée, l'organisation de l'exposition, et une partie
qui concerne le traitement, le salaire de la médiatrice, Ilma Morin, à l'époque. Il se trouve que l'exposition a été entièrement payée par la commune. Nous avons payé la totalité de l'exposition. Et, pardon ? Oui. Et le musée n'avait pas payé sa part. Donc nous déduisons de la subvention reçue du département la part de l'organisation de l'expo. En fait, vous ne versez pas la totalité parce que vous avez déjà versé une partie. On a versé pour eux, oui. Y a-t-il besoin d'autres éclaircissements ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, il n'y a pas de conseil municipal sans modification du tableau des emplois. Et comme vous l'avez tous compris, c'est Madame Poncelin qui va charger de présenter ce tableau modifié. Alors, on est toujours sur un même schéma de redéploiement des personnels pour répondre aux exigences des services, des redéploiements vers des secteurs qui présentent des besoins tels que le service de la police municipale, qui sera renforcé par un poste de brigadier chef principal. D'autre part, il y a l'intégration d'un personnel vacataire qui s'achève, qui conduit à la création d'un poste d'adjoint d'animation deuxième classe. Et puis, il y a la suppression de 3 emplois non permanents d'animateurs vacataires. Voilà, c'est un équilibre dans le tableau des créations pour répondre à des postes qui ne sont plus occupés ou des remplacements par d'autres, des agents qui sont dans d'autres grades. Et voilà. Donc, ce qui conduit à des suppressions et des créations dans ce même tableau. Attends, tous ces mouvements de personnel, d'ailleurs, respectent toujours l'équilibre en matière et de personnel et de masse salariale. Est-ce suffisamment clair, Monsieur Hagemont ? Je viens vous questionner sur le poste de brigadier chef principal. Je crois que nous avons déjà un brigadier chef principal. Quelle va être la situation hiérarchique d'une nouvelle entrant ? Il sera son adjoint. Et c'est d'ailleurs à la demande de notre chef de police que nous avons accédé à l'embauche d'un adjoint, puisque aujourd'hui nous avons 2 policiers municipaux supplémentaires, puisque les ASVP sont passés et ont été gradés avant leur formation, qui va démarrer incessamment sous peu. Toujours est-il qu'il est nécessaire sur la brigade qui va prendre un peu d'ampleur de doter la chef actuelle d'un adjoint. Ça a été sa demande et nous y avions accédé. Et cette personne qui a été d'ailleurs déjà recrutée démarrera à compter du 1er janvier. Y a-t-il besoin d'autres éléments ? Madame Charrier ? Où étaient affectés les vacataires BAFA, animateurs ? Oui, d'animateurs vacataires devenus inutiles. Non, ils ne sont pas devenus inutiles. Ainsi que la suppression de 3 emplois. Voilà. Le poste est devenu... C'est parce qu'en fait, les vacataires sont des agents qui ont des emplois à temps partiel. Oui. Et qu'en créant un poste à temps plein, en fait, on peut supprimer plusieurs emplois à temps partiel. Voilà. Mais ils étaient affectés. C'est toujours un équilibre dans la quotité horaire et la présence d'agents. Mais ils étaient affectés où, ces vacataires ? Ce sont des postes d'animateurs, mais il y a un roulement des postes. Et voilà, on prend 3 postes à tiers temps pour en faire. Enfin, on en met un à temps plein pour remplacer 3 postes à tiers temps. Enfin, voilà, c'est un équilibre en fait qui se fait. Mais du coup, comme il y en a un qui est passé titulaire, on peut supprimer 3 postes. Voilà. Madame Pinchon. En fait, et de par la professionnalisation des ATSEM, elles interviennent le midi maintenant, et donc il y a moins d'animateurs de cantine. Et donc les animateurs de cantine sont des animateurs vacataires. D'accord. Bien, s'il n'y a pas besoin supplémentaire, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Bien, nous allons passer à la délibération numéro 5, modification des redevances d'occupation du domaine public. Et c'est Madame Delphine Schlegel qui s'en charge.
Donc les redevances d'occupation du domaine public s'appliquent quand, quand il y a une occupation en fait, du domaine public qui n'est pas dans le contexte normal de son champ, c'est-à-dire que quand on fait du dépôt de matériel, quand on a une surface de terrasse couverte, découverte, quand on a une palissade, quand on a un matériel de chantier, etc. etc. Donc il s'est avéré simplement de réfléchir sur les tarifs, et pour ceux qui n'ont pas eu le tableau, pour les gens qui sont présents dans la salle, il y a seulement trois changements, et ces trois changements concernent les échafaudages, les palissades et les bungalows de chantier. Ce sont les seuls trois changements qu'on a fait sur ce tableau-là. Pourquoi ? Parce que simplement, on s'est rendu compte que sur les travaux qu'il y avait lieu au centre-ville, qui avaient lieu au centre-ville dernièrement, on s'est rendu compte que les tarifs qui étaient sur ce tableau, qui datent de 2011, parfois, il coûtait plus cher en fait de faire installer l'échafaudage que le montant des travaux. Donc on a eu des résidences et des copropriétés qui n'ont pas fait leur avalement de sa façade ou qui n'ont pas engagé les travaux de toiture, simplement parce que l'installation de l'échafaudage leur coûtait trop cher. Donc on s'est renseigné sur les villes voisines, on a regardé ce qui se faisait, et en effet, les tarifs, pour une fois, parce qu'on est en surface couverte, on est en dessous des villes voisines, mais là-dessus, on était vraiment au-dessus, et on avait des tarifs vraiment prohibitifs. Donc on était à 5 euros par mètre carré et par jour sur l'échafaudage, à 15 euros de palissade, à 15 euros de bungalow de chantier, alors que sur les villes voisines, par exemple, un échafaudage déclaré, c'est 0,90 euros du mètre carré par jour. Donc forcément, soit à l'époque, il y a eu une réflexion, mais une erreur sur ce tarif, et comme il n'y avait pas de rénovation au centre-ville, personne s'en est aperçu. Sauf que là, vous avez remarqué... certains immeubles se sont fait peau neuve au centre-ville, et du coup on s'est aperçu que le montant des travaux était vraiment prohibitif. Donc on a rétabli ça, on a laissé par contre à 15 euros pour les échafaudages sans autorisation, en se disant que ça allait un petit peu inciter les gens à déclarer quand il y a des travaux qui sont faits, parce qu'on a aussi vu des installations un petit peu sauvages d'échafaudages sans déclaration en mairie. Mais sinon, donc, on a baissé à 0,90 la palissade de l'échafaudage et à 5 euros au lieu de 15 euros le bungalow de chantier. Voilà, c'est les seuls changements qui ont été... on a arrondi l'arrachage d'arbres et le dessouchage à 870 euros alors qu'il était à 871,21 €. Mais sinon, on n'a pas fait de changement sur les autres tarifs. Est-ce suffisamment clair ? Pas de questions ? Donc on va soumettre à votre approbation. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, revalorisation des tarifs pour manège, spectacle et forain. Et c'est toujours Madame Delphine Schlegel. Donc on a repris une note de présentation de 2011 également, qui avait fixé les tarifs du manège et des spectacles forains, sans vouloir, on va dire... assommer la personne qu'elle manège au centre-ville. On était à 30 euros par semaine. Là, on passe à 40 euros par semaine. Alors là, par contre, on est bien, bien en dessous de ce qui se fait sur les autres villes. Mais Madame Villa, qui, on va dire, prend plaisir à être chez nous et on prend plaisir à voir ce manège, on n'avait pas envie non plus de lui couler son affaire. Donc du coup, voilà, on a augmenté de 10 euros par semaine. Et les spectacles d'animation étaient à 40 euros. On est passé à 45. Voilà, sinon il n'y a pas de changement sur le reste. Y a-t-il des commentaires sur cette hausse des tarifs ? Pas de commentaires. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Enfin, mise en réforme de véhicules. Toujours Madame Schlegel. Alors... On a 5 véhicules qu'il faut mettre en réforme, dont soit pour vente de pièces, soit pour destruction. Alors, sur cette note de présentation, vous pourriez vous étonner, ou vous êtes étonné peut-être, du kilométrage, parce que le kilométrage n'est vraiment pas élevé. Par contre, ce sont des véhicules qui sont très anciens, puisqu'ils datent de 83, 87, 90, et pour le plus jeune, de 94.
Donc, ce sont des véhicules qui sont aujourd'hui complètement vétustes et inutilisables, qui traînent, si je peux évoquer ce mot-là, qui traînent sur le parking des ateliers et qui ne servent plus à rien du tout, dont un qui est complètement rouillé. Donc, on demande simplement au conseil municipal d'accepter le fait qu'on vende pour pièces ou qu'on détruise ces véhicules qui ont été depuis remplacés au fur et à mesure des années, de toute façon. Est-ce que ça appelle des commentaires, cette mise en réforme ? Monsieur Olivier. Non, juste une question. Là, on ne parle pas du tout du remplacement de ces 5 véhicules. Je suppose que dans le budget, il y aura un article prévoyant, non ? Pas forcément, puisque... Ça a été déjà fait, c'est ce que je disais. Ils ont été remplacés au fur et à mesure. Cette année, si vous vous souvenez du budget 2016, on a acheté 2 véhicules. Un camion en pyrole pour les espaces verts et un master. L'année d'avant, il y avait déjà eu un master de racheter pour la voirie. Vous-même, vous aviez déjà remplacé un autre véhicule. Donc ces véhicules ont été remplacés au fur et à mesure du temps. Ça veut dire parfait, ça, Bernard. Monsieur Lay. Est-il prévu dans le cadre du territoire, justement, que de tels investissements et de tels véhicules soient mis en mutualisation entre les diverses communes ? Pas du tout. Un jour, peut-être. Mais il est déjà tellement compliqué aujourd'hui, avec les quelques compétences qui remontent, de tomber d'accord, rien que sur la mutualisation des personnels. Parlons juste de ça, sur les compétences qui sont remontées d'un cran. Et celles qui vont monter d'un cran l'année prochaine, on n'en est franchement pas là. Vraiment pas. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Et je crois qu'il sera difficile de trouver un terrain d'entente, hein, sauf à ce qu'il y ait une aide entre des communes voisines. Mais pour celles et ceux qui auront du matériel de déneigement, le jour où il y aura des chutes de neige, ils vont essentiellement les utiliser pour eux-mêmes. Et ils ne penseront pas forcément à aller s'occuper du voisin. Sauf, le cas échéant, si vraiment il y avait des difficultés importantes. Mais après, c'est le bon sens qui va faire que les uns vont s'arranger avec les autres. Mais enfin, pour l'instant, ça ne me semble pas du tout quelque chose d'envisageable. On a déjà ce type de questionnement en vision sur les infrastructures sportives ou culturelles. Et on voit déjà poindre un certain nombre de difficultés évidentes sur la manière dont nous pourrions mutualiser les installations sportives dans un territoire comme le nôtre. Enfin, on voit pas vraiment l'économie faite avec ce nouveau territoire, très honnêtement. Bon, moi je le dis très simplement avec vous, mais mes petits camarades, vous le direz pareil. On peut penser, et on peut naturellement penser, parce que c'est intelligent de se le dire, que nous pourrions profiter. C'est ce qui se passe avec le football, par exemple, qui est en train d'acquérir ou qui a déjà acquis un 9 places ou un 7 places, je crois. Je ne sais plus si c'est 9 ou 7. Un 9 places. Et qui nous dit, voilà, vous nous prêtez le vôtre. Peut-être que nous, on vient d'acquérir. Peut-être qu'on pourrait, sous convention, vous le redonner aussi. C'est quelque chose d'intelligent, ça vient de tomber. Enfin, Monsieur Derr, je crois que c'est incessamment sous peu, c'est hier ou avant-hier. Que c'est on était d'accord avec ça, mais ils viennent d'acquérir, je crois. Ah bon, c'est pas très grave. Mais en tous les cas, juste pour vous dire qu'il y a des mutualisations qui sont a priori comme ça réalisables, il faut que chacun en ait la volonté. Là, avec le football et avec Monsieur Serrero, c'est le cas. Et c'est tant mieux, on va en profiter et on peut le faire facilement. Avec les communes d'à côté, sur des questions comme celle-ci, c'est un peu plus délicat. D'autres commentaires ou remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. On continue avec Madame Schlegel et avec la taxe d'aménagement qui sera la délibération numéro 8. C'est la dernière pour moi, je promets. Après, je ne dis plus rien. Donc la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, en 2010, il y avait la taxe locale d'équipement qui a laissé place donc à la taxe d'aménagement. Cette taxe d'aménagement, elle s'applique à chaque fois qu'il y a une construction nouvelle sur la ville ou à chaque fois qu'un particulier fait un agrandissement sur sa maison ou construit sa maison. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle construction ou un agrandissement, la taxe d'aménagement s'applique.
Elle s'applique à partir du moment où on construit plus de 5 mètres carrés. Donc, sur la ville, le taux qui était, on va dire, appliqué jusqu'à aujourd'hui, était de 5%, d'accord, sur tout le territoire. Ce qui devient de plus en plus rare, puisqu'avec les PLU, les zones à densifier, etc., sur la plupart des communes, il y a souvent des taux et des graduations différentes. Ça peut aller donc de 1% jusqu'à 20% dans les zones qui sont à densifier. Pourquoi ? Simplement parce que quand on construit, et quand on construit du logement collectif, il faut, à un moment donné, que les promoteurs participent à la construction des équipements qui vont avec. C'est-à-dire que quand on construit du logement, forcément, on a besoin d'écoles, on a besoin de crèches, on a besoin de rames, on a besoin de plein de structures collectives. Et donc, du coup, la taxe d'aménagement permet aux communes d'engranger un peu d'argent pour construire ces équipements publics nécessaires à l'augmentation de la population. Donc la réflexion a été la suivante, on s'est dit voilà, est-ce qu'on se colle sur les zones, est-ce qu'on augmente partout, est-ce qu'on n'augmente pas, en sachant qu'à 5% sur tout le territoire, on est un peu une commune un peu particulière, puisque beaucoup de communes sont à 20% sur les zones à densifier. Donc voilà, donc nous notre réflexion a été la suivante, il y a des exonérations de plein droit, c'est-à-dire que les constructions, donc jusqu'à 5 mètres carrés, je vous l'ai dit, les logements sociaux sont exonérés aussi, les locaux pour les activités agricoles sont aussi exonérés. Donc nous, on a réfléchi sur ce qui pouvait être aussi exonéré en plus, et donc il y avait deux choix qui s'offraient à nous. On pouvait exonérer les constructions jusqu'à 20 mètres carrés quand c'était des annexes. Donc moi, je me suis rendu compte en étant à l'urbanisme aujourd'hui depuis 2 ans et demi qu'on taxait les abris de jardin. Donc parfois, la taxe de l'abri de jardin, c'était plus cher de payer la taxe d'aménagement pour avoir un abri de jardin plutôt que d'acheter l'abri de jardin. Donc il y a des gens qui achetaient des abris de jardin à 500 euros et qui avaient une taxe d'aménagement de 800 euros pour quelque chose qui faisait 7 mètres carrés. Donc du coup, on avait la possibilité d'exonérer ça. Donc en discutant, on a tous tombé d'accord en disant jusqu'à 20 mètres carrés, les abris de jardin, la taxe d'aménagement, on ne l'applique pas. Donc on a exonéré les abris de jardin, ce qui permettra aux gens de les déclarer. Parce qu'aujourd'hui, vu la taxe d'aménagement, de toute façon, ils s'installent sans être déclarés. Et quand on va jusqu'au tribunal, ce qui nous est arrivé plusieurs fois, de toute façon, on est débouté parce que ça ne vaut pas le coup d'aller jusqu'au bout. Donc du coup, on se dit, on va exonérer les abris de jardin. Ensuite, la réflexion, c'est est-ce qu'on maintient le même taux sur toute la ville ou est-ce qu'on fait un taux en graduel sur les zones à densifier ? Donc on s'est prononcé, on a discuté et on s'est dit, voilà, sur la zone UG, qui est une zone pavillonnaire, on va rester à 5%, ce qui était le cas, donc pour les agrandissements de maisons, pour les constructions de maisons. Par contre, sur les zones UA, centre-ville, UB et UAA, qui sont des zones à densifier et où les promoteurs vont œuvrer, on s'est dit, on va monter à 12%. Alors on n'a pas voulu monter à 20, parce qu'on s'est dit, c'est pas la peine non plus de plomber le budget et que les promoteurs renoncent à faire leur construction. On a discuté sur 15, et puis on est tombé d'accord sur 12 en se disant, voilà, on augmente, certes, mais on ne fait pas une augmentation démesurée, et on s'aligne un petit peu sur ce qui se passe ailleurs, sans être à 20% comme dans beaucoup de communes. Voilà. Est-ce que ça appelle des commentaires ? Je vous en prie, madame. Oui, pourrions-nous avoir la précision exactement des rues qui sont concernées sur les secteurs UA, UB et UAA ? Parce qu'au niveau de la carte qu'on a reçue, franchement, c'est illisible. Pour voir les gens qui vont avoir cette hausse dans Gournay, parce qu'il y a peut-être effectivement des promoteurs qui vont construire, mais il y a des gens peut-être qui veulent agrandir leur pavillon. Et à ce moment-là, ils vont avoir une taxe, ils vont avoir une taxe beaucoup plus forte que les autres gournaisiens. Donc, c'est exact, suivant les zones dans lesquelles on réside, forcément la taxe n'est pas la même, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'au lieu de 5%, il y a 12%. Bon, on exonère jusqu'à 20 mètres carrés, mais vous avez raison, on peut aussi augmenter sa surface de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés.
C'est certain. Alors, le nom des rues exactes, là, ça va être compliqué de vous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, la carte, c'est la carte du PLU, c'est la carte des zones. Donc, elle est consultable en mairie sans problème. Hein. Pardon ? Oh, elle est sur le site de la mairie aussi, bien sûr. Elle est sur le site de la mairie aussi. Tout le PLU est sur le site. Hein. Oui, enfin, je trouve que ça fait beaucoup pour les gens qui vont avoir... Enfin, il va y avoir vraiment une différence entre les Gournaisiens. Moi, ça me dérange... que tout le monde n'est pas. Alors, je comprends qu'il faut engranger de l'argent au niveau de la mairie, hein, je comprends. Il va y avoir des constructions à venir, je le conçois, pour les promoteurs, mais pour les particuliers, c'est quand même gênant, je trouve. Alors, j'entends ce que vous dites. En même temps, aujourd'hui, on est dans un état de fait, c'est-à-dire que les immeubles, de toute façon, et les constructions vont arriver. On fait comment pour scolariser nos enfants? On fait comment pour les faire garder? On fait comment pour payer le personnel? Comment fait-on avec une taxe d'aménagement qui est à 5% alors que dans toutes les autres villes sur les zones à densifier, elle est à 20%? Donc la décision, à un moment donné, il faut la prendre parce que sinon, on n'a pas d'autres revenus possibles. À part l'imposition et à part la taxe d'aménagement, on n'a rien. Donc ça veut dire qu'un Gournaisien, oui, dans certaines zones, on va payer plus cher, mais par contre, demain, s'il ne peut pas scolariser son enfant, ben, ça va lui paraître compliqué. S'il ne peut pas le faire garder, ça va lui paraître compliqué aussi. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Livian. Pour ma part, je ne suis pas hostile aux chiffres qui nous sont proposés, mais par contre, je suis quand même assez surpris que de telles décisions soient prises sans consultation de la commission de l'urbanisme et du cadre de vie, dont je fais partie, et à ma connaissance, elle n'a pas été réunie d'ailleurs depuis très longtemps, depuis un temps quasiment immémorial. Et donc, je me demande à quoi elle sert, et si vraiment, à ce moment-là, on pourrait la supprimer carrément. Hein. Dernière, c'était déroulée quand? Elle n'est jamais réunie. La dernière, s'est déroulée quand? Et les décisions sont prises sans consultation. La commission d'urbanisme et la commission plan de stationnement et de circulation, c'est exactement la même chose. Hein, c'est une commission, donc elle se réunit. Par contre, peut-être que tout le monde n'est pas présent à chaque fois, mais en tout cas, elle s'est réunie. Sur ce thème-là, pour moi, c'est une décision purement politique du groupe majoritaire. Moi, je vois pas... non, pourquoi j'aurais fait une commission sur ce thème-là. Ceci étant, vous avez l'occasion, puisque enfin, on n'est pas une équipe unie et tous ensemble, vous avez l'occasion au moment du conseil municipal d'exprimer à la fois votre mécontentement, votre incompréhension, et le fait que vous êtes d'accord ou pas. Mais on va pas sans arrêt solliciter l'opposition, quelle qu'elle soit, sur les questions qui sont présentées en conseil municipal. Les commissions existent, elles se tiennent plus ou moins régulièrement. J'en conviens, je l'ai déjà exprimé. C'était pareil par le passé, Bernard. Et même quand elles existent parfois, les représentants sont pas présents, quoi. Donc moi j'entends bien, et vous avez même parfois l'outrecuidance de demander le remplacement de l'un ou de l'autre. Donc moi je veux bien tout entendre, c'est vrai qu'elles se réunissent pas suffisamment, on fait pas tous partie de la majorité ensemble, et on prend nos décisions politiques avec les élus de la majorité. Quoi qu'il en soit, il vous appartient, et c'est ce que vous faites d'ailleurs à chaque fois, de manifester votre accord ou pas. Moi lorsque je prends les différents conseils municipaux auxquels nous assistons depuis un certain temps, je peux constater que vous votez tout avec nous, et ça ne me choque pas plus que ça. Peut-être que dans un monde idéal, nous pourrions travailler tous ensemble autour de la même table, mais dans ces cas-là, on ferait tous partie de la même majorité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il y a des décisions politiques qui sont à prendre, qui sont parfois un peu compliquées. Moi, l'impôt, j'ai dit, et je me suis engagé il y a 2 ans et demi en précisant qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôt. On tient le choc et on va jusqu'au bout. En revanche, il y a des aménagements qui sont à faire sur la ville, et la taxe d'aménagement est là pour ça. Elle peut parfois paraître injuste pour certains d'entre nous, mais globalement, à un moment donné, l'injustice, elle peut être bien plus importante si nous ne sommes pas en capacité de monter et de réaliser les structures nécessaires à l'accueil des gens qui arrivent sur la ville. Voilà. Pour ajouter, donc moi j'étais autour de la table avec des membres de l'opposition il y a moins d'un mois, je le serai dans moins de 2 mois, donc je trouve qu'on consulte pas mal quand même. Après, alors là je cautionne complètement le fait qu'il y a des décisions aussi qui nous appartiennent et on a été élus pour ça.
Ensuite, je rajoute simplement, parce que notre directrice générale des services me rajoute l'information suivante, et ce qui est vrai, c'est que l'augmentation et le calcul de la taxe d'aménagement, à partir du 31 novembre prochain, on ne pourra plus influer dessus, puisque ça remonte à territoire, et donc on ne pourra plus influer dessus. Donc ce n'est pas pour ça que je n'ai pas réuni de commission, pas du tout. Mais par contre, on devait prendre une décision. On n'augmente pas, où est-ce qu'on se situe? C'est tout. Comme je l'ai dit parfois à certains d'entre vous, si vous voulez rejoindre la majorité, c'est avec plaisir. Hein, j'ai pas de difficulté dans la famille qui est la mienne à ouvrir les portes, puisque nous sommes une équipe qui n'a pas d'étiquette particulière et qui a simplement vocation à œuvrer pour la ville. Alors, les débats qui sont les nôtres animent forcément nous animent aussi, puisqu'on n'était pas très honnêtement tous d'accord sur le taux, par exemple. Hein, puisque moi j'étais favorable au taux de 20% d'augmentation. Sauf qu'on a choisi un taux médian, en tous les cas, puisqu'on est, on est loin de cette augmentation. Néanmoins, si vous faisiez partie de l'équipe majoritaire, vous pourriez discuter avec nous de ces choses-là. Ça serait possible. Vous pourriez nous dire, ben, moi je préférerais que ce soit 15%. Et on peut même discuter, c'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs, de discuter des zones dans lesquelles on installe ces différentes augmentations. Alors les commissions, moi je ne veux pas entrer, j'ai arrêté de polémiquer sur ces sujets-là. On a été dans l'opposition pendant très longtemps, et tu t'en souviens Bernard, on sait aussi qu'elles n'ont pas toujours été tenues et respectées par plus ou moins, et suivant les commissions, plus ou moins. Il est vrai que tu tenais la tienne, mais ça n'a pas toujours été le cas dans toutes les commissions. On ne va pas se refaire l'histoire, on n'est plus là pour ça. Mais quoi qu'il en soit, venez travailler avec nous. Hein. Enfin, il n'y a pas de difficulté, hein. vous serez vraiment bien reçus. Y a-t-il besoin d'autres éclaircissements, Madame Frigel ? Je veux juste rajouter pour rassurer un peu, parce que je comprends, hein, j'entends. Hein. J'entends ça, mais pour assurer un peu Pascal, simplement pour rajouter que les 100 premiers mètres carrés sont dégrévés de 50%. Voilà, sur les agrandissements et sur les constructions. Monsieur, je vous en prie, monsieur Agement. Nous avons bien entendu votre tirade sur le fait que vous aimeriez ou vous préféreriez qu'on soit tous ensemble. Ah non, c'est pas. Je préfère pas. Pardonnez-moi de vous couper. Je préfère pas. Mais c'est ouvert. C'est possible. Je ne préfère rien de ça. C'est pas le sujet. Si on s'engage avec une équipe, on s'y engage volontairement et on y accepte les règles. Non, pas du tout. Par contre, chez nous, il n'y a pas besoin d'appartenance politique. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Et vous êtes les bienvenus si demain vous décidez de venir nous retrouver. C'est tout ce que je dis. Je pense que dans les cas où effectivement il s'agit en fait d'une sorte d'impôt de la commune et que ça impacte d'une façon non négligeable les finances de nos concitoyens, vous pouvez nous consulter, il serait souhaitable que vous le fassiez. Je comprends, Delphine, que vous n'ayez pas toujours le temps, mais il y a peut-être des moments où ce serait une bonne idée. Et je vous invite à le faire peut-être plus souvent, parce que j'essaye d'être vraiment toujours là à chacune des commissions. Merci. Vous concernant, c'est exact, on peut le noter. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas de tout le monde autour de la table. Mais c'est aussi la même chose, enfin, ces difficultés de la vie, on les rencontre aussi au sein de notre équipe, monsieur Agement, hein, les disponibilités des uns et des autres font telles que la vie, parfois, nous impose de pas forcément être disponible quand on le souhaiterait. Quoi qu'il en soit, certaines commissions existent, vous pouvez vous en emparer, et vous pouvez au moins vous emparer de celle-ci, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires, on va soumettre cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Alors, 1, 2, 3, donc Madame Charrier avait le pouvoir de Monsieur Attal, et donc 4 de l'autre côté, donc ça fait 4 et 4, 8 abstentions. Merci. Bien, on va continuer avec la délibération numéro 9 qui concerne le marché de Noël, et c'est Monsieur François Der qui va nous la présenter. Alors, dans un registre plus festif, la mairie organise conjointement avec la Vague un marché de Noël les week-ends des 3 et 4 décembre, qui se déroulera sur les deux places de centre-ville et à côté de l'église. Cette note de présentation est là pour adopter son règlement intérieur et adopter la convention d'organisation avec la Vague. Ce marché de Noël
sera composé environ d'une vingtaine de stands exposant ou ateliers proposés aux Gournaisiens. Nous avons mis l'accent cette année quant aux stands exposant à ce que les produits aient un niveau qualitatif important, qu'ils soient en rapport avec, avec l'événement, ce qui n'était pas forcément le cas tous les ans. Et nous avons demandé un certain nombre de gages auprès des exposants en termes de produits, de décoration du stand, de présence, etc. Les ateliers proposés par l'aide et le travail de la vague, ce seront aussi des ateliers de maquillage, de création d'objets en rapport avec Noël. Voilà, donc cette note de présentation est là pour l'adoption du règlement intérieur que vous trouvez annexé et puis la convention que l'on va signer conjointement avec la vague. Convention bipartite qui permet de définir le qui fait quoi, enfin le travail de chacun dans cette affaire. Voilà, donc je suis à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. Alors, le marché de Noël. Monsieur Olivier. Juste pour me poser la question de savoir si c'est pas un peu tôt les 3 et 4 décembre. Par rapport au Noël, le 25, ça paraît un petit peu anticipé. Alors, vous savez que l'agenda de la ville n'est pas facile à gérer, que les vacances de Noël commencent le 17-18, je crois, quelque chose comme ça, qu'on ne fait jamais le 17-18. On ne fait jamais le premier week-end des vacances, en tout cas, pour assurer un certain nombre de présences de Gournaisiens, et puis que c'est un peu tard pour faire des cadeaux pour Noël. Ensuite, nous avons regardé aussi les événements sur les villes limitrophes, et donc c'est le mois de décembre déjà, les illuminations seront là et ça permet de préparer tranquillement les enfants à cet événement. Je pense qu'au vu de ce qu'on trouve dans les magasins à l'heure d'aujourd'hui, ils sont déjà dedans. Le marché de Noël a lieu au mois de décembre. Merci monsieur Der. C'est dit au moins. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc c'est un vote à l'unanimité, merci. Ensuite, versement d'une subvention au bénéfice du club de football de Gournay-sur-Marne pour l'achat d'un but amovible. C'est toujours M. François Der. Le club de football de la ville a dans ses projets d'acheter une cage de football amovible qu'elle pourra positionner au centre du terrain comme elle le souhaite. Et pour ce faire, elle a fait des demandes auprès de prestataires pour avoir différents devis et a sollicité la mairie pour une aide dans l'acquisition de ces buts amovibles. Les différents devis qui ont été recensés naviguent entre 1 900 et 2 500 euros TTC. Et donc la municipalité, ayant encore dans son budget subvention, le budget annuel subvention, il restait un solde, nous avons puisé dans ce solde-là afin d'aider l'association, le club de football de la ville, à hauteur de 1 000 euros dans l'achat de ces cages de football. Tout en sachant que le club nous a dit que ces cages de football seraient utilisables, réutilisables par quelconque intervenant sur le stade, que ce soit le collège, les écoles ou la municipalité, donc qui nous le mettront à disposition. Et donc, que vous dire de plus que, effectivement, mais ça, on m'a mangé la feuille, mais bon, ils ont fait aussi l'acquisition d'un minibus cette année, ce week-end, monsieur le maire. Et en complément du minibus qu'on leur prête le week-end pour aller aux rencontres sportives, footballistiques dans le département. Et ce minibus-là, ils nous ont proposé aussi, effectivement, de signer une convention avec la ville pour nous le prêter, puisque pendant la semaine, ils ne s'en serviront pas, et pour le prêter à la ville si la ville en a besoin.
Donc c'est une association qui compte, je crois que c'est la plus grosse association sportive sur la ville, 300 adhérents, et qui est vraiment prenante dans tout, dans toute l'animation de la ville et qui est les gens sur lesquels on peut compter, et sans parler des TAPS où ils interviennent. Voilà, donc il s'agit là d'accepter de verser 1 000 euros pour les aider dans l'achat de ces cages de football. Sachant que ces 1 000 euros, ils sont déjà dans notre budget 2016. Ce n'est pas une dépense supplémentaire. Alors, est-ce que ça appelle des commentaires ou des questions pour les buts? Pas de questions pour le but? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, vote à l'unanimité pour l'attribution d'une subvention de 1 000 euros pour l'acquisition de buts amovibles. Ensuite, on va passer à la délibération numéro 11, qui nous sera présentée par M. Éric Flessel et qui nous parlera des tarifs de la saison culturelle 2016-2017 pour les groupes scolaires. Monsieur Flessel. Alors, le 6 juin 2016, nous avons adopté les tarifs de la nouvelle saison culturelle 2016-2017. Il nous est apparu pertinent de rajouter un tarif groupe scolaire aux conditions suivantes, donc 10 euros la place par élève et par accompagnateur. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce tarif pour les groupes scolaires. Y a-t-il des questions, madame, je vous en prie. Moi, je souhaiterais savoir, les spectacles ont lieu à 20h30, ça ouais. Va être en journée pour les élèves ou... Non, pas du tout. Non. Non, non, absolument pas, ça ne change absolument rien, mais ça permet aux élèves de profiter d'un prix de groupe. C'est cher, 10 euros pour les élèves, je trouve. Non. Alors, c'est des jeunes. Quand on regarde ce qui est proposé sur les théâtres alentour, par rapport au secteur scolaire, la quasi-totalité des structures culturelles offrent des tarifs de groupe. Pour compléter ce qui vient d'être évoqué, il ne s'agit pas de permettre à des jeunes, sous prétexte qu'ils sont du collège ou du lycée, de bénéficier d'un tarif à 10 euros. Il s'agit simplement d'offrir la possibilité à un établissement scolaire qui souhaite organiser, dans le cadre de ses missions, une sortie culturelle, que ce soit sur Michel Simon, ici, à Chelles, à Champ ou à Paris, la possibilité d'avoir un tarif préférentiel à 10 euros la place. Si vous regardez ce qui se passe sur les autres théâtres, qui proposent également des spectacles de qualité, puisque ce sont des spectacles professionnels, les tarifs sont tout à fait ordinaires et classiques. Ils sont même très peu chers. Avec l'idée, bien sûr, qu'on offre la possibilité à des jeunes de la ville, pour peu que le collège ou les lycées environnants en aient la volonté, de pouvoir venir assister à un spectacle, dégager de la notion du déplacement. Il n'y a pas besoin d'emmener 20 mômes sur Paris pour aller à un spectacle le soir, ce qui arrive encore aujourd'hui, hein, que ce soit sur un collège ou sur un lycée. Enfin, en tous les cas, sur le mien, c'est régulier. Et très honnêtement, moi, j'ai le sentiment qu'on est très, très compétitif sur la proposition qui est faite. Et d'ailleurs, on ne distingue pas les accompagnants des élèves, en partant du principe que là encore, c'est quelque chose de compliqué. Donc, pour ne pas ajouter de difficultés, si parmi le panel des spectacles proposés, le collège ou les lycées du secteur ont envie d'y amener, dans le cadre d'une sortie prévue, etc., une vingtaine ou une quinzaine de gamins, eh bien, ils nous le font savoir et ils bénéficieront d'un tarif de groupe qui est vraiment, par comparaison, très très peu faible. Madame, je vous en prie. Sur les écoles en général, je vois sur les écoles maternelles et élémentaires de la ville, il y a toujours une participation de la coopérative, c'est-à-dire que le coût, ce n'est pas forcément ce qui va être demandé aux familles. En général, il y a une partie qui est prise en charge par les coopératives d'école. Je crois que vous souhaitiez ajouter, peut-être, non ? Non ? Pardon. Y a-t-il nécessité de préciser plus avant ? Bien, donc on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors... On en arrive à la délibération numéro 12, renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux et du personnel de la piscine municipale de Neuilly-Plaisance. Et c'est Monsieur François Culeux qui nous présente cette délibération. Oui, dans le cadre de l'apprentissage du savoir nager, les élèves de CM2 vont à la piscine de Neuilly-Plaisance. Comme précédemment, il convient donc de renouveler la convention de mise à disposition des locaux et des personnels nécessaires
de la piscine municipale de la ville de Neuilly-Plaisance. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette convention telle que jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions ? Monsieur Hagemont. La piscine de Neuilly-Plaisance est certainement très belle et très intéressante, et on a l'habitude d'y aller, si j'ai bien compris. Je crois que dans notre canton, si ça existe encore, il en existe une autre encore plus belle et avec laquelle on pourrait peut-être avoir un accord, non ? Je parlais de Noisy-le-Grand. Si vous parlez des Nymphéas à Noisy-le-Grand ? Alors, c'est la piscine à laquelle nous allions avec le collège jusqu'à l'année dernière, donc on y est allé. C'est plus d'ailleurs une piscine municipale, hein ? Elle n'est plus municipale. C'est une gestion privée. Mais en tout cas, on y était avec le collège donc jusqu'à l'année dernière, pendant 2 ans. 2 ans, on y était. Donc pendant 2 ans. Et on s'est fait gentiment remercier à la fin de l'année dernière. Disant que, voilà, ils faisaient le plein avec les écoles du secteur. Et que... Donc là, si c'est les Nymphéas, je pense que c'est... Ceci étant, on n'a vraiment aucune difficulté avec les élus de la ville de Noisy-le-Grand. Et c'est vraiment pas le sujet. La difficulté, sans rentrer pour moi dans le détail, c'est que c'est aujourd'hui une gestion privée, que les créneaux qui sont réservés aux scolaires et aux écoles, lycées et collèges de la ville sont des créneaux qui sont très très précis. Il y a pas beaucoup de place. La ville de Noisy-le-Grand doit avoir 34 ou 35 groupes scolaires, je crois, quand on additionne tout. Il doit y avoir 5 collèges, 2 lycées, sans compter Cabrini, 6 collèges, avec le collège international, tu as raison, 3 lycées avec le lycée international, et Cabrini, qui vient aussi sur la piscine, enfin, en tous les cas, qui demande des créneaux. Ils nous ont fermé la porte. Enfin, quand je dis nous, ils ont fermé la porte aux collégiens. Le collège a essayé de se rabattre sur... Là pour le coup, c'est les primaires. Hein. Mais la question pourrait se poser aussi. En l'état, trouver des lignes d'eau, même si le savoir nager est une obligation décrétée par le ministère... Enfin, ça se limite là. Hein. Après, pour nous aider à construire les piscines, il n'y a plus personne. Mais sur cette question-là, trouver une collectivité qui va nous offrir des lignes d'eau aujourd'hui, c'est très très compliqué. Ça nous impose parfois, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un partenariat avec, comme celui-ci, avec la ville de Neuilly-Plaisance, qui est un partenariat ancien. Et il est de bon ton d'ailleurs qu'il perdure et qu'on puisse le pérenniser, parce que sinon ça serait compliqué. Si nous devions envoyer nos enfants, je ne sais pas où, il y avait d'autres piscines, il y a ces Ponto Combo aussi, ou Gagny, je crois qu'on n'a pas été reçu, et c'est pas la difficulté qu'on peut avoir avec Michel Tellet pour obtenir des créneaux, il n'y a juste pas de place. Donc là, on a la chance d'être accueillis, et on va essayer de garder cette opportunité-là. Madame Pinchon. Alors pour la circonscription, tu parlais de canton tout à l'heure, la circonscription éducation nationale pour les écoles élémentaires et les écoles maternelles, c'est Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne. Donc Neuilly-Plaisance, c'est notre circonscription éducation nationale. Voilà. En tous les cas, c'est un souci, le savoir nager et les accès à piscine. Même lorsqu'on nous demande une rémunération, c'est compliqué d'avoir les créneaux en ce moment. Et ça ne s'arrangera pas. Y a-t-il besoin d'autres explications ? S'il n'y a pas de besoin supplémentaire, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Bien. Alors, délibération numéro 13, qui a pour thème la composition de la commission sport, fêtes, cérémonies et relations extérieures. Alors, il s'avère qu'il y a eu quelques petites modifications récentes, puisque dans le groupe emmené par M. Attal, M. Serrero a démissionné, et que nous devons forcément remplacer M. Serrero dans cette commission. Alors, nous avons fait un certain nombre de propositions, et la commission, aujourd'hui, en l'état, après avoir consulté qui de droit, se compose donc d'Éric Schlegel comme président de droit, de M. François Derre, de M. Rick Flessel, de Mme Véronique Diacchino, de Mme Isabelle Baupin-Vecchio, de M. Jean-Pierre Lahaye et de M. Jean Recherchant. Y a-t-il des commentaires ? On entérine en l'état, on vous a sollicité, on est d'accord ? Pas de difficulté particulière ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité de la composition de cette commission. Ensuite, désignation des membres du Conseil au Conseil d'administration de la Caisse des écoles.
Monsieur Serrero, pareil, est sortant. Il doit être remplacé. Actuellement, cette caisse des écoles est composée de Madame Pinchon, de Monsieur François Culot, de Monsieur Galibert, de Madame Tanguy, de Madame Pelloso, de Madame Suzanne Charrier. Il convient de remplacer Monsieur Serrero. Monsieur Serrero appartenait à votre groupe majoritaire et dans les proportions qui étaient les nôtres, il vous reste un siège. Il vous appartient après de discuter avec l'opposition qui est en face de vous, si vous acceptez l'idée, puisqu'il y a eu un changement de positionnement, ou pas. Mais en tous les cas, vous avez, vous, deux sièges, hein, puisque M. Serrero, comme vous accompagnait précédemment, et les élections tiennent compte des résultats obtenus à un instant T. Voilà. Pour ma part, si M. Hageman est intéressé pour venir nous rejoindre au conseil d'administration, il est le bienvenu. Merci en tous les cas de le faire comme ça. Il me semblait important de le préciser parce que c'est vous qui aviez la réponse à la question. Voilà. Alors, en l'occurrence, je ne vais pas pouvoir aller à toutes les commissions, mais je suggère que Pascal Dumez nous représente, si vous le voulez bien, et si vous souhaitez les lire. Alors nous, il n'y a pas d'opposition, on ne s'y mise pas, hein, c'est un arrangement intelligent entre vous. Donc on prend simplement note et on entérine le fait que Madame Dumez supplée à Monsieur Serrero dans cette commission. Merci. Je vous en prie. Ensuite, je soumets au vote, bien sûr, hein, il n'y a pas d'opposition, on est tous d'accord là-dessus, pas d'abstention, c'est un vote à l'unanimité sur la proposition de la commission telle qu'elle a été évoquée. Bien, pour finir, siège de la métropole du Grand Paris, on nous indique simplement que le siège de la métropole va changer. On nous demande, et c'est très formel pour le coup, de délibérer sur le fait que nous acceptons cette modification du siège qui sera situé au 15 avenue Pierre Mendès France dans le 13e à Paris. On nous demande d'approuver cette modification. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions, vote à l'unanimité. Merci. Pas de raison de s'abstenir là-dessus. Bien, donc l'ordre du jour de ce soir est épuisé. Nous avons une question qui émane du groupe Gournay Notre Village. Donc des personnes âgées s'inquiètent d'une éventuelle suppression du service des auxiliaires de vie. Qu'en est-il vraiment ? Merci et très cordialement, Monsieur Jean-Pierre Lahaye. Ils s'inquiètent pour rien. Il s'inquiète pour rien parce que toutes les personnes de la ville qui sont actuellement accompagnées par le service d'aide à domicile de la ville continueront d'être accompagnées. Ce qui se passe, en revanche, c'est que nous ne prenons pas de nouveaux dossiers. Nous envoyons et nous renvoyons sur le secteur privé les personnes nouvelles qui voudraient bénéficier de cette activité. En sachant qu'il n'y a pas de différence financière, puisque le département accompagne de la même manière, il y a peut-être 50 centimes d'écart, Maria ? 2 euros d'écart. 2 euros d'écart sur par heure, facturé entre les services communaux et les services soit associatifs, soit privés. Donc c'est un service qui a, en fait, qui disparaît tout seul. C'est-à-dire que les personnes qui bénéficiaient de cette activité se retirent au fur et à mesure du temps. Et on s'est d'ailleurs retrouvé très récemment à l'arrivée d'ailleurs de notre nouvelle DG, qui n'est plus une nouvelle DGS, mais à essayer de voir un petit peu ce qu'il en était dans chaque service. Et on s'est aperçu que très récemment, il y avait l'équivalent de 4 TP sur ce secteur d'activité, alors qu'il y avait des besoins pour 1,75 ETP, ce qui représentait 2,25 équivalents temps plein qui étaient dans la nature à ne rien faire. Donc on a redispatché le personnel, une des 4 personnes est allée sur un autre secteur d'activité de la ville, après consultation d'ailleurs, et il nous reste sur cette activité actuellement 3 personnes pour un équivalent 75 temps plein. Ça veut dire qu'on est en train, donc une des 3 personnes qui part à la retraite, et on est en train de faire en sorte que ces personnels qui parfois se retrouvent sans mission auprès d'agents puissent être reversés dans les secteurs de la ville où ils pourraient avoir une action comparable.
Je ne vous cache pas que quand on a travaillé 25 heures par semaine ou le 35, repasser à la quotité de 35, c'est pas forcément acceptable et facile tout le temps. Mais en tous les cas, nous avons fait le pari de faire en sorte que des gens qui sont payés pour 35 heures fassent leurs 35 heures, à minima. Ça se traduit parfois par des arrêts de travail collectifs, mais c'est comme ça. En tous les cas, nous, on n'arrête pas. Les gens qui sont engagés avec nous, on continue de les accompagner de la même manière. Par contre, on ne prend pas de nouveaux dossiers. Le dernier dossier qu'on a pris est un dossier qui a été pris au mois de juin, je crois. Ça, non ? Juin ? Donc c'est le dernier dossier que nous avons accepté, et c'est un secteur qui font tout seul. Et vu qu'il y a peu de différences particulières entre le privé et le public, on n'a pas, là encore c'est un choix politique, de raison, de conserver, encore une fois, sur des missions qu'on peut trouver facilement à côté, des fonctionnaires supplémentaires. Ça ne nous semble pas forcément d'actualité. Voilà. Madame Charrier. Bien, je vais vous remercier. Je vais pouvoir rassurer les deux personnes qui m'ont interpellée. Donc, pour elles continuent. Mais moi, je m'inquiète pour le futur, notamment pour moi, personnellement. Voilà. Donc, je vais vieillir. Je n'aurai pas un service d'auxiliaire de vie municipal. Vous étiez en train de dire que vous les dirigez sur le secteur privé. Je m'occupe moi-même de ma mère et je sais ce que c'est que d'aller chercher une auxiliaire de vie avec une association ou, justement, des privés. J'ai dû changer 6 fois... avant de trouver les bonnes personnes. Les personnes âgées donc, de Gournay avaient ce privilège d'avoir des auxiliaires de vie qu'ils connaissaient, qui étaient de la ville, municipaux. Je ne comprends pas très bien pourquoi cela est-il supprimé. C'est toujours le cas, et comme je viens de vous le dire, les gens qui sont aujourd'hui suivis continueront de l'être de la très même bien, manière. Mais pour les autres ? Pour les autres, je crois que... Dans le futur, c'est supprimé. Dans le débat actuel, et je crois que vous faites partie d'ailleurs d'une majorité qui s'exprime très largement sur le nombre de fonctionnaires, à la fois des collectivités territoriales et des fonctionnaires nationaux, je crois que sur cette question-là, il y a aussi des choix politiques qui sont à poser. Et nous, on exprime de manière très claire qu'à partir du moment où le secteur privé est en capacité d'offrir un certain nombre de services aux administrés, dans un secteur assez proche, et enfin, moi je suis pas là pour faire de la publicité pour une société de la ville, mais je sais que sur la ville, il y a une entreprise qui offre ce service-là, je peux vous inviter à vous en rapprocher, mais en tous les cas, je continuerai, et je me suis engagé sur ce terrain-là, à faire en sorte que la masse et que la maîtrise de la masse salariale soit une réalité, et que la baisse de la masse salariale soit une réalité, et que demain, nous ayons une police municipale qui soit suffisamment en effectif, de façon à pouvoir opérer un certain nombre de missions qui ne sont pas opérées par ailleurs. À partir du moment où le secteur privé est concurrentiel et offre cette possibilité-là, je fais le pari, et nous faisons le pari avec l'équipe qui m'entoure, d'offrir cette possibilité au secteur privé de prendre le relais. En tous les cas, pour les dossiers qui sont pris aujourd'hui par la collectivité, il n'y a pas de retour en arrière. Et il n'y aura pas, de toute façon, pardon de le dire comme ça, mais il n'y aura pas d'augmentation des fonctionnaires sur la ville de Gournay-sur-Marne. On va aller vers une baisse des fonctionnaires. Pas plus, moins. Et à partir du moment où le secteur privé est présent sur ce terrain-là, de notre côté, on fera le choix du secteur privé. C'est très clair. Après, je peux entendre et je peux comprendre. J'ai aussi moi-même, sur la ville de Gournay-sur-Marne, des parents qui sont âgés, avec un de mes deux parents qui vient de rentrer de l'hôpital à 97 ans. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça. Il y a aujourd'hui des services et des secteurs qui sont couverts par le privé, et la différence financière entre les deux n'est pas si importante que ça. Ceci étant, Madame Miranda, vous souhaitiez intervenir. Ce n'est pas sur les finances, hein. Je sais que ce n'est non, pas important. Juste une précision, parce qu'il y a confusion. Auxiliaire de vie et aide à domicile, ce sont deux métiers différents. Oui, mais auxiliaire de vie, c'est vraiment une aide à la vie. Je le sais. Voilà. Je le sais. Aide ménagère, c'est pour des tâches ménage, les courses. Moi, je vous parle des auxiliaires. Voilà. Les auxiliaires de vie. Bah, on n'a jamais eu. Hein. Nos aides ménagères. Ça tombe bien parce que vous parlez de quelque chose que nous n'avons jamais eu. On a, nous, de l'aide à domicile, ce qui n'est pas la même chose. Donc là, vous êtes en train de vous étonner d'un service qui n'existait pas.
Non, les personnes qui m'ont interpellé m'ont parlé de leur auxiliaire de vie. Alors, bon. Mais il n'y a pas d'auxiliaire de vie, il y a de l'aide à domicile. Bon, donc de l'aide à domicile, pareil. Bien souvent, Suzy... Mais ce n'est pas les mêmes missions, madame, c'est important. Je le sais. Bien souvent, Suzy, les personnes, les bénéficiaires de l'aide à domicile communale ont par ailleurs des auxiliaires de vie qui prennent le relais le samedi, le dimanche, puisque nous ne travaillons pas le samedi et le dimanche, et en soirée pour l'aide au coucher, à la toilette. Bon, et ce sont deux métiers différents, vraiment différents. D'accord, mais moi je trouve regrettable de toucher aux personnes âgées, voilà, c'est tout simplement. Mais il fallait commencer par le faire, ce service n'existait pas. Mais non, d'accord, mais non, on ne va pas rester sur les auxiliaires maintenant et les aides ménagères. Je vous dis que les personnes âgées s'inquiètent alors de leur aide ménagère, de ne plus avoir les personnes qu'ils ont l'habitude. Alors vous me dites que celles qui sont déjà en contrat avec vous vont continuer à en bénéficier, d'accord, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui était extrêmement appréciable ici par nos anciens qui va disparaître. Alors moi, voilà. Madame Charrier, nous avions, j'ai pas de calculatrice à côté de moi, nous avions l'équivalent de 4 personnes qui étaient censées faire 35 heures pour accompagner ces personnes-là. Aujourd'hui, factuellement, nous avons l'équivalent de 35 plus 75% des 35 heures. Sur ces 4 personnes-là. C'est pas nous en arrivant, hein, c'est Peur sur la ville a peut-être eu un impact, mais le Peur sur la ville a pas fait tout d'un coup que les anciens qui avaient de l'aide à domicile aient souhaité se débarrasser de cette aide à domicile. Non, ça s'est fait sans nous. Donc c'est moi j'entends bien que vous souhaiteriez autre chose, mais fallait le faire lorsque vous étiez en place. Ça s'est pas fait. Donc l'aide à domicile aujourd'hui, elle se termine et elle fond toute seule. C'est comme ça. Et nous avons décidé, vu que ça font tout seul, de dire, eh bien, nous ne continuerons pas, puisque c'est un service que offre le privé, et nous n'allons pas continuer à conserver des fonctionnaires supplémentaires pour des services qui sont offerts de la même manière par le secteur privé à côté. Pour nous, c'est vraiment très, très simple. Et la différence de prix, après, la participation du Conseil général, je ne sais plus de combien elle est, enfin, c'est... C'est exactement la même. À titre indicatif, sur l'année 2015, nous avions en moyenne 36 bénéficiaires de l'aide à domicile. Depuis le 1er janvier jusqu'au 30 septembre, nous sommes tombés à 25. Donc c'est naturellement, ça s'éteint naturellement parce que soit les personnes sont placées dans des établissements adaptés, soit parce que malheureusement, ils décèdent. Voilà. Donc, maintenant, les auxiliaires de vie... Ce sont des organismes spécifiques qui s'en chargent. Maria, pardon, j'ai ma maman dont je m'occupe depuis plus de 15 ans. Non, je sais ce que c'est qu'une auxiliaire de vie et ce que c'est qu'une aide ménagère. Oui, je sais. Le problème n'est pas là. On ne va pas rester sur les mots entre auxiliaire de vie. Moi, je vous dis que c'était un service qui était rendu à la population et à nos anciens. Cela va tendre à disparaître. Voilà, je prends acte, c'est tout. Je ne prenais acte de rien du tout. Si on veut jouer sur les mots... Dans ces cas-là, on ne va jamais se comprendre, puisque vous me parlez dans une question d'auxiliaire de vie. Déjà, il n'y a pas d'auxiliaire de vie et de l'aide à domicile. On est en train de vous expliquer que l'aide à domicile, de toute façon, elle disparaît toute seule, et que nous maintenons pour les gens qui sont déjà suivis par l'aide à domicile. Donc vous prenez acte de je ne sais pas ce que vous prenez acte, mais en tous les cas, les gens qui sont aujourd'hui accompagnés par la collectivité, par l'aide à domicile, continuent de l'être. Vous parlez d'auxiliaire de vie, ça n'existe pas, vous ne l'avez jamais mis en place. On ne fait rien disparaître du tout. Ça, c'est ce que les personnes âgées m'ont parlé d'auxiliaire de vie. Oui, mais vous prenez acte de quoi? C'est avec vous qu'on parle. Que les aides ménagères municipales, que ce service qui était municipal, n'existera plus à Gournay. Mais il n'existera plus, mais il n'existe pas tout seul. Peur sur la ville a eu un impact, j'entends bien. Les voitures n'ont pas brûlé plus que ça, et les anciens n'ont pas quitté les services auxquels ils avaient droit. Ça se fait tout seul, comme vient de l'expliquer Madame Miranda. Ça se fait tout seul. Or, comme ça se fait tout seul, à un moment donné, on va dire effectivement qu'on arrête. Voilà. Oui, mais à partir de... Voilà, donc quand ça sera arrêté, des personnes qui vont, voilà, nous, par exemple, de notre âge, dans 20 ans, si nous avons besoin d'une aide à la maison, il faudra faire appel à des sociétés privées. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, tout à fait. Okay. Ou associative. Ou associative, oui. OK. Donc, très bien. Merci. Bien, l'ordre du jour est épuisé. Nous n'avions qu'une seule question diverse ce soir. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier le public qui s'est encore déplacé
très nombreux. Remercier les élus qui se sont déplacés à ce conseil municipal et vous souhaiter une bonne soirée. Merci de votre participation et de votre attention.